Bonjour François Bayrou. Bonjour. Bonjour. En plein remaniement, vous avez annoncé hier soir à nos confrères de l'AFP faute d'accord profond sur la politique à suivre, je n'entrerai pas au gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé ben, Il s'est passé que depuis des jours et des jours, comme vous l'avez vu, depuis que euh, dans le procès injuste qui nous était fait, nous avons obtenu une relaxe. J'ai obtenu vous une relaxe et plusieurs des nôtres. Euh, le. Le, le bruit, la rumeur avait couru que je pourrais entrer au gouvernement. Euh, et euh, cette euh, rumeur-là, elle s'accompagnait naturellement d'une orientation politique. C'est ça, entrer au gouvernement. Euh, et cette orientation politique, euh, elle m'entraînait, en tout cas, elle exigeait de moi que je prenne. Un des secteurs que je considère le plus en crise du pays. Lequel Il y a deux secteurs que je considère dans une crise de. Toute la France est mmh. dans. Enfin, tout le pays est dans une crise grave. On n'est pas les seuls. Tous les pays occidentaux, tous les pays européens euh, sont dans une crise de cet ordre. Mais pour moi, il y a deux secteurs qui sont incroyablement significatifs euh, de cette perte de confiance que nous traversons. Le premier de ces secteurs, c'est l'éducation nationale. Euh, où vous voyez que, euh, année après année, euh, les enseignants, les parents d'élèves, les profs se désespèrent et les résultats chiffrés montrent qu'il y a une perte de confiance, qu'il y a un décrochage. Que, euh, et, les, et les enseignants, pour eux, vivent ça euh, euh, d'une manière un peu... – Désabusé, désespéré, il y a les deux. – Et une ministre, je... ou De castera qui est fragile en ce moment. – Et j'étais persuadé qu'on peut redresser l'éducation nationale en peu d'années, mais que ça demande un choix politique qui est de faire ça avec les enseignants et les autres parties prenantes de l'école. – Pardon, mais ce n'est pas le cas de la personne qui sera euh, nommée ?– Non, mais vous, vous voyez bien, on est, on est sur un fond de de une musique de fond qui est au fond euh, les enseignants ne travaillent pas assez euh, euh, c'est ce que vous a dit bon, le président de la république c'est ce que vous, vous avez dit pas, gabriel attal mais gabriel attal a fixé des orientations euh, et, et, et je pense que c ça, ça méritait euh, une, une clarification pour moi, en tout cas, l'éducation nationale, ça ne peut pas se redresser euh, dans un climat uniquement euh, gestionnaire, on va dire. Donc, Alors, pour qu'on comprenne premier, bien, premier secteur. Oui, juste, mais pour qu'on comprenne bien, vous, vous avez en quelque sorte candidaté pour le ministère de l'Éducation nationale. Je n'ai pas candidaté. On vous a proposé. On vous a entendu le ministère. En tout cas, je n'ai pas en explicitement. Bon, je n'ai pas candidaté. Lundi soir, vos confrères m'ont posé la question et j'ai dit que. Pour un secteur du pays aussi important à mes yeux et dans une crise aussi grave, oui, j'étais disponible pour prendre ce risque. Mais le président, secteur, le président vous l'a proposé, mmh. ce ministère Et donc euh, je ne rapporte jamais mes, mes conversations avec le président. Mais est-ce que c'est une question de fond, d'orientation politique ou de nature du poste qui vous était proposé et qui vous aurait été refusé Non, pas du tout. C'est une question sur le, les deux sujets que je vais évoquer. C'est une question... d'engagement euh, euh, en face du pays. Donc ça, c'est le premier sujet. Il y a un deuxième sujet qui me préoccupe euh, terriblement, c'est euh, la rupture euh, en France euh, constante, euh, continuelle, euh, progressive et de plus en plus grave entre la base et les pouvoirs. Les pouvoirs, euh, j'embrasse tous les pouvoirs, y compris le pouvoir médiatique. Euh, on a vu cette crise en fond des gilets jaunes. On vient de voir cette crise en fond des agriculteurs. Euh, on voit cette crise à, dans de nombreux secteurs dans le domaine de la santé. Euh, et puis, euh, et on a un gouvernement euh, sans doute composé de personnalités tout à fait compétentes ou on, on espère qu'elles le sont. Euh, on voit un gouvernement qui comporte sur 14. 11 ministres parisiens ou franciliens et sur 15 <laughs> membres du gouvernement, pas un seul du sud de la Loire. Et vous vous rendez compte que tout ça crée un déséquilibre et où les... Les gens, ceux qui vous écoutent, nous écoutent. Il y a un déséquilibre depuis des géographique mois, depuis, depuis des mois, mais qui, pouvait être, qui pouvait être comblé par par ben ce remaniement. Euh, on est là dans les ministres de plein exercice. Oui. Après, on a. Euh, des ministres délégués. Donc, si qui vous intéressez, c'était l'éducation nationale ou l'aménagement du territoire L'aménagement du territoire, la réforme de l'État, la simplification du pays, les gens euh, assommés de, de questionnaires qu'ils ne savent même pas remplir. Mais pardon, François Bayrou, on, on a du mal à faire le distinguo dans ce que vous nous dites entre, enfin, sur cette question. Est-ce que c'était une question de poste ou une question de désaccord de fond C'était une question d'identification dans le pays de ce qui va. Ou de ce qui mérite le plus de soins et le plus d'engagement. Mmh. Quand vous avez euh, une crise qui est, selon moi, aussi profonde, et donc je connais le résultat, et vous le connaissez aussi, le résultat de cette crise et de cette incompréhension euh, euh, croissante entre les milieux de pouvoir et la base des Français, eh ben, c'est la progression des extrêmes et singulièrement. Mais alors ce constat du Front que vous faites, en fait, il n'est pas partagé par Gabriel Attal et Emmanuel Macron, c'est ce que vous nous dites là ce matin je, je pense qu'ils le partagent ou qu'ils en partagent une partie, mais vous voyez bien que la, les, les actes euh, devraient suivre les paroles. Et nous, euh, Modem, qui avons participé à l'édification de la majorité, qui en sommes un pôle... Euh, euh, Reconnu. Et on euh, vous présente d'ailleurs comme un allié historique. Euh, mais l'allié historique, nous avons. Emmanuel le, Macron. Le, le MODEM, Mouvement démocrate, c'est son inquiétude depuis le début. Mmh. Nous, nous disons, euh, attention, euh, on ne peut pas laisser progresser comme ça. Euh, ce qui est pour nous une menace et un risque. Mais là, et quand donc... même, François Bayrou, vous parlez de désaccords profonds politiques. Oui, j'ai parlé de la politique d'éducation. C'est la phrase sur la politique d'éducation. Ça ne vaut pas sur l'ensemble de la politique de non, Gabriel ce... Attal et du gouvernement J'espère que non. Ah, parce que c'est mais... important, on va avoir l'occasion mais... d'en reparler. Euh... J'espère que non, mais vous parce avez bien vu. Si vous avez bien vu euh, euh... ce que vous avez analysé comme un déséquilibre politique. Hein C'est-à-dire bah, C'est-à-dire euh, avec, euh, euh, avec le sentiment qu'il y a certaines sensibilités de la majorité euh, qui euh, occupent l'espace. Mais qui... à quel moment le déséquilibre politique devient une crise politique Vous avez depuis 50, 50, 51 députés. Euh, J'essaie de faire que quand il s'agit de dire stop, il hein, y a une dérive. Euh, le moment est, est venu de... De remettre les choses à l'endroit, de rappeler pourquoi nous sommes là. Quelle est la, qu'est-ce qu'on a promis au pays en, euh, en 2017 euh, On a promis, vous souvenez-vous, qu'on allait, disait-on entre guillemets, gouverner autrement. Et hier soir, un de nos députés, dans la réunion de groupe, a dit "Écoutez, moi, je me suis engagé parce que je pensais qu'on pouvait gouverner autrement, et j'ai l'impression de plus en plus qu'on gouverne comme avant." C'est-à-dire que les choix se font dans des milieux. Je vous pose dans... la question. Tout ça, il y a les ingrédients d'une crise politique, c'est-à-dire du fait je... que le MoDem ne... pourrait ne plus soutenir l'avenir. La... Non, non le gouvernement. Euh, c'est pas ce que, ce que je dis. Euh, dans le redressement du pays, le MoDem et d'autres sont engagés en première ligne. Mais ce que je vois, moi, c'est la multiplication des indices selon lesquels la crise, on ne va pas le l'équilibrer, on ne va pas l'arrêter, mais on fait comme si elle n'existait pas. Or, elle existe. Et nous avons, alors là, c'est spécifique à notre famille politique, nous avons une, vi une vision du monde, de la société, un projet, euh, qui, qui, en effet, sont euh, assez ambitieux pour s'adresser à ce sujet-là que vous décrivez tous les jours. C'est votre métier. Tous les jours, vous envoyez, on l'a vu avec la crise agricole... On va quand Alors, même essayer, va, François Bayrou, ouais, de comprendre de... ce que vous voulez vraiment. Il parce faut qu'on marque une très courte pause, on va vous retrouver dans une minute, vous êtes avec nous jusqu'à 9h. Euh, on laisse passer le fil info puisqu'il est déjà 8h42, Sophie Echenne. François Bayrou, vous avez dit hier soir, donc je n'entrerai pas au gouvernement euh, sur la base de désaccords profonds euh, politiques, vous avez... Euh, vous politiques vous dit... sur l'éducation. Sur l'éducation. Euh, au fond... Quel est votre problème On essaie de comprendre ce matin pourquoi cette crise politique existe aujourd'hui au plus haut sommet de l'État. Quel est votre problème Est-ce que vous considérez que le gouvernement penche trop à droite et qu'Emmanuel Macron ne vous écoute plus aujourd'hui Je n'aime pas euh, euh, la perpétuelle étiquette droite-gauche. Si nous avons bâti euh, ce, ce grand socle central de la majorité, c'est pour échapper à l'étiquetage, à cet étiquetage-là. Bon, alors c'est quoi votre problème plus on avance dans le temps, et moins on a l'impression que la, que la rupture euh, avec la société, avec les gens qui travaillent, avec ceux qui sont à la retraite, avec ceux qui cherchent du travail, euh, ou ceux qui n'y sont pas encore, plus on a l'impression que cette rupture s'aggrave. Et cette rupture, elle doit être, pour la combattre, euh, il faut avoir euh, une, une vision qui embrasse. Tout le pays et pas seulement euh, le monde euh, des pouvoirs dans lequel nous sommes. Je suis persuadé qu'on ne peut pas résoudre les problèmes de l'éducation nationale, puisque c'est de qu'on parlait, sans le faire avec ceux qui sont les acteurs de terrain et en annonçant des choses très difficiles à mettre en place. Euh, et, et, et tous ceux qui, qui ont des enfants à l'école. Donc vous mais avez ah, refusé vous... le ministère de l'Éducation nationale et c'est donc Nicole Belloubet qui prendrait le poste à la place d'Amélie Oudéa-Castera. C'est ce qu'on dit. mais de, le, 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 euh, Et ce n'est pas la seule question. Cette question que j'évoquais de euh, comment on échappe... Euh, euh, à, la, à la bureaucratisation complète, à, à, la, à la paperasse de tout instant Comment on fait pour que les gens se sentent plus euh, libres et plus épanouis Où qu'ils soient, qu'ils soient euh, à Toulon, qu'ils soient mais à pardon, Toulouse... Mais le gouvernement, depuis, euh, depuis quelques années, ne dit pas le contraire. Qu'est-ce qui fait qu'il y a 48 heures, vous étiez prêt à entrer, et que là, vous n'êtes plus prêt J'étais prêt à entrer parce que j'étais persuadé que on pouvait changer de méthode à l'éducation nationale, pas la méthode récente des cinq ou quatre derniers mois de, de Gabriel Attal, mais la méthode qui, pendant, qui depuis 20 ans ou 25 ans, fait que euh, le monde de l'éducation est désespéré et que les résultats sont désespérants. Euh, que, 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 que nous en arrivons à être le pays le plus en retard de tous les pays semblables dans le monde développé, que... Euh, euh, mmh. J'étais ministre de l'Éducation, comme vous savez, il y a longtemps. Quand j'ai quitté le ministère de l'Éducation, le niveau des élèves de sixième était le niveau des élèves de quatrième aujourd'hui. Mais ça, ça dites... pardon, mais Gabriel Attal, qui était ministre de l'éducation il y a 5 mois, aussi... dit exactement la même chose et, et avait, bien... avait présenté un plan avec lequel manifestement vous deviez vous sentir en consonance, puisqu'il y a deux jours vous étiez prêt à entrer. Oui, pas, euh, je n'étais pas là pour appliquer euh, des plans... Euh, mais d'un ministre de l'éducation pas... qui est devenu Premier ministre quand même, et qui aurait été votre Premier ministre. Oui, et, et, et j'ai les meilleures relations du monde avec les gens avec qui je travaille. Gabriel Attal, hier, vous l'avez eu au téléphone Oui, bien sûr. Ça s'est bien passé euh, tout à fait courtoisement, et amicalement. Mais est-ce que ça est -ce que vous dites quand même que, que, que quand vous quand même qu'il vous a même proposé le ministère des armées C'est la vérité. Euh, je disais donc euh, cette grande crise là avec les deux secteurs. Au moins deux. Il y en a beaucoup plus. Au moins deux secteurs qui sont pour moi. Euh, les, les, les abcès de fixation euh, de, de la crise qu'on vit. Il y en a d'autres. La santé est un abcès de fixation. Je ne sais pas qui va être ministre de la Santé. Tout ça, c'est étrange. Le, euh, non, ces abcès de fixation... Attends, non, non, non. non. non, ouais. non, non. Euh, je réponds à la question précise de Jérôme Chapuis. Euh, et on me dit... Vous, euh, on, vous, on vous propose de prendre le ministre des Armées, le ministère des Armées. C'est le seul secteur, à mes yeux, c'est le seul secteur qui va à peu près bien, en tout cas, qui relève les défis dans lesquels nous sommes. C'est le, le résultat de la politique suivie depuis cinq ans, et je n'allais pas me donner le ridicule d'aller euh, marcher sur les plates-bandes d'autres ministres ou d'autres personnalités le contenu, dans, des dans, dans, le, dans le secteur, qui je considère est à peu près le seul exemple. De, de remise à niveau et de remise en, en vocation de notre pays. Et, et parlons juste, c'est un détail, mais en faisant état de cette conversation entre le premier ministre et vous, vous mettez par ailleurs un peu le bazar dans l'équipe gouvernementale actuelle. Non, vous savez, les ministres, ils savent très bien que leurs portefeuilles sont volatiles, hein, que qui qu peut arriver qu'on qu vous demande d'en changer. Mais, mais vous, moi, vous avez utilisé un mot fort hier devant vos troupes. Vous avez parlé d'une démarche d'humiliation. Non, vous, avez, vous vous êtes senti humilié ça hier Ça a été rapporté par un certain nombre d'entre eux. Ça a été rapporté, mais je ne suis pas sûr que ces mots étaient les miens. Mmh. Mais euh, euh, une majorité, c'est la prise en compte de plusieurs sensibilités et de plusieurs courants. C'est comme ça qu'on a gagné en 2017 et qu'on a gagné en 2022. Ça n'est pas certains qui décident et d'autres qui sont marginalisés. Le, le... Vous vous sentez marginalisé Non, c'est pas de moi. Comprenez-moi, c'est sympa, mais c'est pas de moi qu'il s'agit. Je ne suis pas là, je fais pas carrière, je ne candidate pas, je ne suis candidat qu'à une seule chose, c'est. Euh, un lien avec euh, le pays dans ses profondeurs pour identifier ce qui va mal et le résoudre. Mais quand même, François Bayrou, parmi ceux qui nous écoutent ce matin et même dans le, la sphère politique, certains peuvent se dire il est en train de faire un caca nerveux. Il n'a pas eu ce qu'il veut et donc du coup Je ne bah, suis, bah, suis pas sûr il, que il cette expression. Sur les médias. Je ne suis pas sûr que cette expression soit à la. Hauteur. Vous faites un caprice si euh, vous si vous voulez. Oui, on, euh, je, je sais bien qu'on peut toujours caricaturer les choses. Euh, je pourrais caricaturer les médias, je ne le fais pas. Non, mais je parle de votre euh, Non, mais là, là, on ne parle pas seulement de votre image, on parle aussi de, non. Comment dire, de la question de l'image de la politique. Excusez-moi, si vous trouvez que... que ça va bien mm -hmm. depuis des années, et que la situation d'aujourd'hui elle est encourageante, et qu'on voit bien, si vous trouvez que les extrêmes reculent, moi, je trouve qu'il progresse et que c'est le symptôme des difficultés que nous rencontrons. Mais pardon, mais ce que vous nous dites là ce matin, j'imagine que vous l'avez dit à Emmanuel Macron depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, depuis, depuis plusieurs, plusieurs années. années. Depuis plusieurs années. Et alors là, vous en êtes arrivé à un point de rupture Ça y est, c'est terminé Un point de rupture. Je j'essaie de euh, recentrer, de réorienter la politique suivie, pas la politique suivie dans les mesures, mais la politique suivie dans euh, la manière dont on s'adresse au pays. Euh, le, le, euh, le, que, les, que les Français, alors Gabriel Attal de ce point de vue, il apporte quelque chose. Euh, de, il a son jeune âge et, et c'est une figure nouvelle. Mais le, le profond de la composition de ce que nous sommes en train de faire, mmh. ça signifie que euh, les Français, euh, ils sont loin de tout ça. Et moi je voudrais qu'il soit près de tout ça On je, je pense que nous sommes je, je, je sais bien que c'est difficile à entendre je pense que nous sommes à un point de de grave inquiétude pour ne pas dire de non retour je pense que la, que la situation se dégrade continuellement. De, vous voyez la situation oui. du commerce extérieur, par exemple. Non mais pardon, François Bayrou, Bayrou on connaît l'état du pays. Le non, président aussi, non, le premier ministre aussi. Là, ce, ce dont il est question ce matin, c'est votre situation politique à vous, à celle, celle du, modem du MoDem aussi. Est-ce qu est que le MoDem est toujours allié euh, d'Emmanuel de, Macron, de Renaissance, de la majorité Ce que vous faites ce matin, vous comprenez que, qu a, que ça a une portée politique. Ça a une portée politique, heureusement, sans être probablement. Mais alors qu'est-ce que vous voulez si je, si je pensais que tout va bien et qu'il n'y a plus qu'à laisser filer, moi, je suis euh, tout à fait heureux dans ma vie. Le Modem a une responsabilité, comme la majorité. Il est membre de la majorité pour reconstruire le pays. Ça ne changera pas. Il ça. est membre de la majorité pour corriger ou pour soigner euh, les, les extrêmes difficultés que nous rencontrons. Ces extrêmes difficultés-là, les orientations prises... Doivent les prendre en compte. Le, le, Mais vous voyez bien que ce n'est pas le cas, vous le dites vous-même. Alors dans ces cas-là, il faut en tirer des conclusions. Géographique, l'équilibre politique, mmh. l'équilibre d'inspiration, tout cela doit être pris en compte. Mais vous voyez bien que ce n'est pas ma... le cas, ils vous l'ont dit hier euh, par rapport à l'éducation nationale, par rapport à, à l'aménagement du territoire. Quand vous savez ça, il faut en tirer des conclusions. Je, je pense que vous écoutez la phrase que vous avez dite. La phrase que vous avez dite, c'est Ils vous ont dit hier que ça n'était pas le cas. C'est ça que vous dites. C'est ce qu'on a compris, en tout je, cas, de, de ce que vous dites depuis je tout à l'heure. C'est exactement ce qu que vous nous dites depuis tout à l'heure. Ce qui fait que vous n'entrez pas au gouvernement. Oui. Ouais. Et donc, pour moi, oui. il faut corriger les choses de manière que ceux qui ont le souci de l'unité du pays, de l'homogénéité du pays et de la prise en compte de la base dans les, dans les réformes. Ils, aient, ils soient entendus dans, euh, dans les équilibres à construire. François Bayrou, je vous coupe. On laisse passer le fil info. On vous retrouve juste après 8h53. Sophie Echenne. 8h30 France Info. Jérôme Chapuis. Salia Brakia. Oh, toujours avec François Bayrou, le président du Modem. Vous disiez juste avant le fil info que ceux qui pensent comme vous doivent avoir une place importante au gouvernement. Concrètement, vous voulez combien de ministres dans le prochain gouvernement Je ne fais pas de marchandage. Et je ne suis pas là euh, comme. Euh, comme au marché aux bestiaux. Non, je pense qu'il faut une place reconnue. Mais ce qui compte le plus, c'est que ils se sentent que ce, que ces courants politiques. Nous ne sommes pas les seuls dans la majorité. Il y a bien d'autres sensibilités euh, qui voudraient qu'on on trouve un meilleur équilibre. Mais parlez franchement, François Bayrou. En fait, Mais concrètement, je... c'est quoi ce je... que vous ai dit Si vous attendez lors que lors du dernier dise... remaniement, il y a eu trop de, 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 de débauchage à droite, et donc là, il faut rééquilibrer. Non, c est, c est... Je sais bien que Mais vous l'habitude de la de mettre, de, de mettre des étiquettes de cet ordre-là, ça n'est pas ce que je ressens. Je ressens que le pays a besoin de plus de compréhension politique de ce qui se passe à la base, et de moins de technocratie gestionnaire. Ça va c'est clair. Mm -hmm. euh, bon. mais ça augure euh, assez mal de votre soutien prochain au, au gouvernement non. qui va être complété dans les heures qui viennent. mon soutien ne se marchande pas à condition que soit entendue l'inquiétude que un très grand nombre de français ressentent qui se traduit dans tous les sondages et qui se traduit dans des intentions de vote qui sont, pour moi, mmh. euh, euh, pas normales. Alors, soyons très concrets. donc, oui, vous êtes encore dans la majorité. Oui, nous sommes membres à part entière de la majorité qui veut reconstruire le pays. Oui, vous voterez les textes du prochain gouvernement dirigé par Gabriel Attal. J'ignore quels sont ces textes et je ne prends pas ce type d'engagement de, général avant de les lire. Oui, vous soutiendrez euh, la prochaine ministre ou le prochain ministre de l'Éducation, que ce soit Nicole Belloubet ou quelqu'un d'autre. Oui, s'ils font des choses bien. Si, si, si on prend en compte le l'incroyable capacité de d'inventivité de, de, de créativité de, euh, de pédagogie qu'il y a dans le pays si on le prend en compte la base ceux qui sont dans les classes euh, le, le ministère de l'Éducation nationale, ça ne se joue pas dans des enceintes ministérielles seulement. Ça se joue dans les classes. Est-ce que les classes aujourd'hui sont prises en compte Est-ce que les enseignants ont le sentiment que euh, le, le, ce qu'on leur demande euh, euh, va, va résoudre les problèmes qu'ils rencontrent C'est exactement... Vous euh, avez dit, euh, François Bayrou, hier, euh, je, je ne rentrerai pas dans le gouvernement. Euh, si Emmanuel Macron vous écoute ce matin, si Gabriel Attal vous écoute ce matin, d'ailleurs on n'en doute pas, euh, s'il change d'avis et vous dites, bon, en fait on est d'accord avec, euh, avec ce que tu dis François, rejoins-nous, vous y allez. <laughs> Ou alors c'est totalement à euh, la porte fermée ben, Vous comprenez bien que, 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 que ce euh, c'est pas le chemin que ça prend. Le, Cette fois, vous écartez, puisqu'il y a deux jours, vous disiez il y a, je n'écarte jamais rien. Là. Cette fois, ça, vous l'écartez. La décision que j'ai prise, elle veut dire évidemment que, 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 que le rôle que, que j'ai en politique, je ne le jouerai pas à l'intérieur du gouvernement. Est-ce qu'elle veut dire autre chose au-delà, pour 2027 aussi oui je pense que l'enjeu de 2027 c'est précisément euh, que qu'on arrive à réconcilier euh, la France euh, qui se bat en bas avec la France qui décide en haut Je pense que c'est très important que c'est une crise qui est, qui vient de loin de décennies et cette crise là euh, il faut que 2027, et les années qui précèdent servent à montrer un chemin pour en sortir. Et ces chemins, c'est vous qui allez le montrer en 2027 ben, Je n'ai jamais renoncé à aucun des devoirs qui sont les miens, aucune des responsabilités qui sont les miennes. Je suis euh, un élu de province, de la province la plus lointaine de France. Je sais ce que vivent tous ceux qui euh, euh, observent, euh, venant d'en haut, des directives euh, qui sont souvent en contradiction avec ce qui se passe sur le terrain et les blocages qui viennent de là. Vous êtes à de dire, dire qu'Emmanuel pas... Macron est totalement déconnecté, là je... Non. Bah, non, j'ai je... euh, euh, assez d'estime pour le président de la République. Je dis que le, le, le mouvement euh, que nous sommes en train de vivre, hein, euh, c'est assez largement euh, des dérives. Corrigeons-les. Corrigeons-les avec la majorité, corrigeons-les avec le futur gouvernement, mais corrigeons-les et prenons-les en compte. En tout cas, on a entendu Ne, ne jouons Bayrou. pas la surdité, mmh. euh, ne jouons pas le bandeau sur les yeux en considérant qu'il suffit de continuer comme on a fait jusqu'à maintenant. En tout cas, on a entendu, entendu François continuer. Bayrou qu'en ce 8 février 2024, euh, vous preniez date très clairement pour l'élection présidentielle de 2027. Euh, C'est pas moi qui prends date pour l'élection présidentielle. Oh bah C'est ce vous qui êtes là. C'est le pays. Je sais pas si, mmh. je sais pas si vous voyez. De, euh, ouvre, euh, ouvrez les yeux sur ce que nous sommes en train de vivre. Euh, ça va finir où ce truc Cette, euh, Pardon, Ce truc, euh, vous parlez du quinquennat d'Emmanuel Macron Non, non. Je parle de la politique française telle qu'elle est conduite depuis de longues années et sans doute des années depuis sept ans. Hein. Oui, que je, que je soutiens, que j'ai contribué à mettre en place, parce qu'avant, il y avait euh, d'une certaine manière un échec qui est constaté aujourd'hui par tout le monde. Oui, mais je ne laisserai pas dériver les choses sans rien dire. Juste d'un mot, Mon, et ce sera ma... oui non, François Bayrou, parce qu'on est, on, on est oui, contraint par le temps. Vous regrettez votre soutien à Emmanuel Macron jamais, depuis 2017 Jamais. Jamais. Parce que, euh, imaginez ce que nous aurions rencontré si Emmanuel Macron n'avait pas été élu et s'il ne s'était pas créé ce nouveau paysage que nous vivons. Mais je dis, je ne laisserai pas faire un certain nombre de dérives qui sont fondées sur l'ignorance par les responsables du sommet de ce que vivent les Français à la base. Merci beaucoup François Bayrou, président du BODEM, d'avoir été invité de France Info ce matin.